Les Camerounais sont ici. Mais Biya vous a fait quoi? Restez chez vous. Je vais vous dire une chose. Non, sérieux, je vais vous dire une chose. Et il faut filmer ça, tu mets sur YouTube. Vous, les Camerounais, on vous a fait quoi? Nous, les Ivoiriens, on vous a fait quoi? Le plus grand joueur de tous les temps au Cameroun, on lui a donné une femme. Non, je ne parle pas de Roger Mila. Hein. Je parle de Samuel Eto'o. Sa femme est ivoirienne. Mais on vous a fait quoi? Vous êtes... Non, écoutez-moi bien. Les Camerounais, écoutez-moi bien. À l'heure où je vous parle, vous êtes déjà qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu chez le voisin équatorien. Le dernier match des éliminatoires, c'est contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes obligé de jouer? Non, non, je vous pose la question. Non, non, non. Est-ce que vous êtes obligé de jouer? Vous avez quoi? Non, écoutez-moi. Même si vous voulez jouer... Pardon. Même si vous voulez jouer, mettez les remplaçants. Non, Nicolas Nkulo, on a le même coiffeur. On a le même couturier, il s'appelle Madou Sangué. On vous a fait quoi? Moi, j'ai fait des enfants avec une Bamileke. Depuis que je la connais, je n'arrête pas de payer la dot. Les Bamileke, on vous a fait quoi? Pardon, vous êtes déjà qualifié. Le prochain match, là. Mettez les remplaçants, ils ont besoin de prouver ce qu'ils savent faire. Mettez les remplaçants, ça serait un match amical. Les deux pays en Afrique qui s'aiment le plus, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Non. Pardon, laissez-nous gagner, pardon. Moi-même, je vous demande pardon. Maintenant, si vous ne voulez pas, c'est le dernier morceau que j'ai fait. Hein.